façon dont je disais à mes frères et à ma sœur, si vous êtes pas sage, je vous donne pas de récompense. Hein. Tout de suite, c'était ça. C'était compliqué l'installation de ce cinéma. Oh. Racontez-nous. Alors là, tenez-vous bien. On rentrait dans une pièce où il y avait, ben, bien entendu, toute la semaine, il y avait eu les ouvriers de mon père qui décapaient les chambres, les silettes. Ils travaillaient dans la poussière. Hein. À ce moment-là, on ne s'occupait pas de... Et alors, quand la place était libre, alors là, c'était là, monsieur et sa femme venaient, ils installaient les sièges. Monsieur et madame Elma, voilà. Qui installaient... Ils installaient les chaises importantes. C'était des chaises en bois, c'est ça? Oui. Qui se pliaient... Tout à fait simple. Voilà, j'en ai vu. Elle les astiquait quand même un petit peu, pour que ça paraisse un petit peu... Et alors, elle les mettait en ordre, en cœur. Voilà. Et bien entendu, monsieur, il était avec son appareil, il prenait ses distances, il mesurait. Ah ça, alors, c'était énervant. Ah oui, pour faire la netteté de projection. Voilà, ouais. Parce que si on est trop loin ou si on est trop près, alors, l'image serait floue, c'est pour ça. Quelquefois, il me prenait pour... Yvonne, monte sur l'estrade pour qu'on voit si on voit comme il faut. Moi, alors, j'avais horreur de ça. Mais il fallait le faire pour que le cinéma commence, sinon ça mettait 2 heures, voilà. Certainement. Et l'installation de l'écran, c'était compliqué? Ah, alors là, l'écran... L'écran blanc. C'était un drap. Mais c'était un drap, oui. C'était un drap. C'était un drap avec des initiatives au point de croix, en rouge. Ah. C'était un bel écran, alors. Ah oui, c'était un bel écran. Voilà. Et il y avait du monde à ces séances? Mais écoutez, autant que je puisse me souvenir, il y avait du monde. C'était la seule distraction qu'il y avait là. À la portée de ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à Périgueux au cinéma. C'était vraiment un lieu de vie, un lieu de rencontre. Ah oui, ah oui, oh là là, à la campagne, mais ils venaient avec leurs charrettes et puis leurs chevaux. Et alors, ce soir, on va voir Albert, on va voir... c'était des noms de copains. Alors ça, le temps des embrassades, comme disait monsieur le cinéma, on va les laisser s'embrasser comme il faut, et puis on va faire le cinéma quand ils auront fini. Oh, alors, je le répétais à maman, elle ne pouvait pas s'empêcher d'en rire. Il a dit le monsieur, on va les laisser s'embrasser, et puis après on ira travailler. Vous vous rappelez des films qui étaient projetés sur cet écran ou pas du tout? Vous rappelez les robes en grand, les grandes robes là, qu'elles avaient ni tête ni queue. C'était pas la mode, hein. Je vous assure qu'il n'y avait rien de... Il y avait les actualités avant le film? Ah oui, ah oui. Donc les publicités, les infos du journal. Papa, il tenait aux actualités, hein, lui. Ça, c'est important. Ah ben, bien sûr, et encore plus à cette époque. Voilà, où il n'y avait que la radio pour écouter les informations du pays. Vous me faites revenir à un siècle. Ben, c'était beau. Oui, mais enfin, il faut s'en rappeler. Je suis ici à Razac depuis 95 ans. J'ai 95 ans. Je me suis mariée pendant la guerre.
pendant la guerre de 40, parce que mon frère était parti comme STO, le service travail obligatoire allemand, au mois de mars, le 5 mars 1940, 41, ici à Razac parce que mon mari est venu voir mon frère qui était parti au train de midi, qui partait pour Paris avec les STO. Et comme il n'a pas trouvé, mon mari était déjà venu le voir, il n'était pas présent à Razac, il passait lui-même une visite à Saint-Astier pour partir. Alors il est venu, quand il a su que mon mari était venu le voir, il dit, tu es venu à Razac, au pont de la cité, c'est à l'hôpital Périgueux. Il est venu voir mon mari avant le départ du train et il l'a rencontré. Et quand il a ouvert la porte, quand j'étais à frapper et qu'il a ouvert la porte, il a ouvert la porte sur soi-disant une jeune fille dont il est tombé amoureux, foudroyé. Il a dit à son papa en rentrant, j'ai vu mon camarade avant de partir, et en plus, papa, j'ai rencontré la femme que je cherche, ça y est, je l'ai trouvée, je veux me marier. Son papa était sidéré. Parce que, bon, c'était le petit coq du village, il était le fils du maire. Alors, toutes les jeunes filles avaient un petit peu l'œil sur lui. Alors, le papa, il ne voulait pas trop. Moi, j'étais de la ville, et son fils était fils de la campagne. Et elle était en forêt 6 heures. Alors, faut que j'arrête là. Alors, donc, je me suis mariée. Le mariage, on appelait ça, pendant la guerre, le mariage éclair. Parce que les jeunes disaient, maintenant, on a passé la visite pour partir en Allemagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Autant se marier, soit sur place, si on peut, en se cachant, en partant maquis. Ou soit se marier sur un bien foyer. Et alors, mon mari avait le cœur malade, il avait bu quand même un bon verre de café avant de partir pour que ça aille un peu mieux, pour le faire rester. Parce qu'il y a une scierie à 20 ans, être directeur d'une scierie avec deux autres co-directeurs, c'est trop jeune. Alors, ça faisait que... Donc, je suis mariée, on appelait ça le mariage éclair. Et alors, ça a été la fête pour moi. Ça a été un mariage merveilleux. Il y avait les fleurs partout. Depuis, là, jamais on avait dit à Razac qu'on avait vu chose pareille. Parce que mon mari était un garçon. Ils avaient fait toute la semaine, les jeunes gens de Razac, avec cette élite dépêchée à faire la jonchée. Alors, il y avait la jonchée qui partait depuis la Syrie. La Syrie, c'était la route de la gare, la rue Victor Hugo maintenant. Alors, on traversait la route nationale, il y a un puits. Et alors, ce puits-là, il y avait au milieu de la route, entre la route nationale et le petit chemin qui monte à Razac, à l'église, il y avait notre initiale jusqu'à la mairie, qui n'était pas encore construite. La mairie n'était pas encore construite. C'était la poste. C'était une maison bourgeoise qui faisait poste, qui faisait la poste. Et alors, ça y est, là, j'en suis, là, mais
la salle de la mairie, parce qu'il y avait une salle, il y avait pas de mairie, l'établissement n'était pas encore en vue. Et alors voilà, je suis restée, j'ai 95 ans. Je viens de les avoir le 19 mai 1923 et je me suis mariée le 7 août 1923. Voilà, c'est bien ça. Oui, 7 août 1943. C'est ça, oui. Ça fait bien. Je suis née le 19, mais ça fait 95 ans. J'ai mis 95 ans au mois de mai, là, qui passait. Voilà. Alors, pendant ce temps pour occuper mon temps, j'étais une jeune fille qui avait passé mon brosier. Et j'avais trouvé une place de secrétaire à Périgueux, l'UPMR ancien, l'Union Périgourdine, des mutilés anciens combattants. Les Allemands nous avaient pris notre local, donc on nous avait expulsés, c'est la sécurité sociale qui nous a pris dans ses bureaux. J'ai une photo, j'ai la photo du maréchal Pétain dans le bureau, parce que c'était encore sous le maréchal Pétain. J'ai les dactylos, j'ai la photo vivante de ce moment-là. Alors, dans ma vie s'est écoulée tout à hasard. Mon mari a été nommé maire adjoint. Il a fait 22 ans maire adjoint et il a été 9 ans maire. Il aurait pu être maire, mais comme il avait déjà. Il était exploitant forestier, il avait beaucoup de travail, alors ça lui suffisait. Moi je lui ai dit, tu choisis, tu fais comme tu veux, je ne veux pas t'influencer, tu fais ce que tu veux, comme tu feras, ce sera bien. Alors il a quand même compris que c'est trop dur à 23 ans de faire toutes ces fonctions pour lui tout seul. C'était dur et donc il a dit non. Alors il est resté adjoint pendant 9 ans de plus, ça fait 29 ans, vous voyez, j'ai le tableau d'honneur de son temps de... Alors j'ai rencontré un... En allant, Et j'ai fait dans le car le récit de notre bout de voyage jusqu'à Andorre. Et alors, il y a un monsieur qui m'attendait à la descente du car, où on a pris un quart d'heure pour respirer. Et il lui dit, madame, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pourriez, je suis ironiste, il était remarqué parce qu'en Dordogne, c'était la folie, monsieur Lespire était célèbre. Et il avait déjà une quarantaine d'élèves. À qui il apprenait le solfège et les chansons. Faut que je retrouve le fil. Alors je commence ma chanson. Il faut que je me recule. Alors il me dit, madame, vous ne pourriez pas m'écrire des chansons. M'écrire des chansons, monsieur, je ne l'ai jamais fait. Alors il me dit, j'ai entendu ce que vous avez, la poésie que vous avez dite sur notre voyage, et ça me plairait bien que vous écriviez une chanson, n'importe laquelle. J'ai dit, écoutez, monsieur, je vais essayer. Je vous dirai.
J'ai essayé, ça a marché, je l'en ai écrit 80 quelques-uns. Il était enchanté, il a dit à Radio Grigore, j'ai rencontré une dame, j'ai rencontré une dame qui, à Radio Périgord, qui m'écrit des chansons. Je suis enchantée, je ne sais pas comment elle fait, je lui donne les airs sur une cassette. Elle me renvoie la cassette et les paroles. Il a dit juste que je cherchais, que je trouvais d'une part. Parce qu'il fallait aller à Paris, les voyages, ça coûtait cher. Il fallait aller à Montmartre pour que les jeunes de Montmartre. Ça ne me gêne pas. Et il faut aller à Paris, à Montmartre, et ça coûte 10 francs. À l'époque, 10 francs, ça coûtait 100 francs, je ne sais plus, c'était cher. Et vous y reviendrez, chantons. Le Périgord, pays que je chéris, le pays des blés d'or et des filles jolies, pays de mes amours, je veux finir mes jours dans ce divin décor. Chantons le Périgord. C'est bien, Marie. Bonjour, monsieur Christophe. Je vous remercie de me rendre visite. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous parler un petit peu de ma vie passée. D'accord. Alors, dans les bonnes choses dont je me souviens et que je revis maintenant dans ma vieillesse, c'est mon enfance. Nous habitions Paris, chez mes parents, bien sûr. À ce moment-là, nous avions les vacances en août-septembre. Et alors, donc, avec mon frère, on partait chez mes grands-parents dans la Meuse. Quand nous arrivions dans la maison, chacun avait son plaisir. Ah, c'était un plaisir immense. Pour moi, je traversais la cour, je descendais le jardin à toute vitesse pour arriver jusqu'en bas où il y avait des arbres fruitiers. C'était un vrai bonheur pour moi. Ça paraît peu, mais pour moi qui arrivais enfin, j'étais pas malheureux à Paris, c'était pas comme maintenant, mais c'était très, très agréable. Puis alors, c'était un peu la liberté. Enfin, quoique ma grand-mère nous faisait travailler, ce qui était normal, on n'allait pas l'être 2 mois sans rien faire. Il fallait laver le sol, nettoyer les lapins, nettoyer les poules. Mais c'est bien parce que ça nous dresse un petit peu. Ça nous dresse. Ça nous habitue d'avoir à travailler, à obéir. J'ai appris plein de choses avec ma grand-mère, la cuisine, la pâtisserie, tout ça. Quand elle nous faisait des gaufres, oh là là, c'était un régal. Ou quand on coupait une tranche de jambon, parce qu'on tuait le cochon, et on préparait toutes les conserves, le jambon était dans les cheminées, oh là là, c'était bon. Je suis très gourmande en plus. Ouais. Alors autrement, bon, ben oui, quand j'ai été mariée après qu'on a fait bâtir notre petite maison, là aussi c'était du bonheur, on était bien, oh là là, on était bien. Mais avant de venir ici, moi j'étais donc dans cette petite maison puisque j'étais veuve, et je me disais que j'étais au paradis. Ben, j'avais bien raison, j'étais au paradis, j'étais bien. C'était un prêt à bête. Alors on avait acheté un bout et puis il y avait un autre bout à vendre. Et les gens qui sont venus à côté étaient tout à fait gentils. Alors on s'est bien plus là. On était venus en vacances une année, on avait trouvé que les gens étaient gentils et aimables. Alors après, ben, on a dit, tiens, on va faire construire là. Alors bon, ben, c'est vrai que c'était du bonheur parce qu'on était chez nous, il n'y avait plus d'escalier à monter. On avait tout fait pour que comme je suis assez handicapée, on avait tout fait faire pour que je puisse passer partout. D'accord. Alors non, c'était vraiment... Là aussi, c'était du grand bonheur. Hein. Voyez, c'est loin de l'enfance. Mais autrement, bien sûr, j'ai eu des moments de bonheur dans la vie, mais autrement, maintenant, vous savez, quand on est bien, quand on est âgé, on revit sa jeunesse. Et je revois
souvent je rêve de mes grands-parents, de la maison de mes grands-parents. Ouais. Et ma petite maison, j'aimais bien ma petite maison. Alors bon, bah, il a fallu la vendre. Hein. Ah. Pour venir ici, il faut avoir des fonds. Mmh. Mais autrement, bon, non, ici maintenant, je suis bien. Je me plais bien ici, je suis tranquille. Dès l'instant qu'on me laisse dans ma chambre, je vais m'emmener au repas. Mais je n'aime pas être avec les autres personnes, ça fait du bruit, chacun fait son bruit particulier. Ouais. Alors non, je préfère le calme, vous voyez. Alors bon, je fais mes mandats là, je lis, je regarde un petit peu la télé. Le soir, enfin vers 5-6 heures, il y a toujours des magazines qui m'intéressent sur la 5-6-7, il y a des bons reportages. Alors j'aime ça, voilà, c'est des moments de bonheur. Je me contente de peu maintenant. Je ne sais pas si tout ça va vous intéresser. Et parlez-nous de votre passion qui est le dessin, le mandala. Eh bien, c'est-à-dire que je ne peux plus faire autre chose, je ne peux plus me servir de mes mains. Je ne peux plus écrire, je ne peux plus coudre, il n'y a plus que ça. Et alors, c'est Sylvie qui m'a initiée, et alors depuis, j'en fais pas mal. Hein. J'ai déjà fait 3 gros albums, là j'en suis au 3e petit. Alors, c'est vrai que c'est un plaisir. Au moins, quand on fait ça, l'esprit est absorbé, il faut s'appliquer. Alors, l'esprit est absorbé, on oublie un petit peu, c'est tracas, moi je parle de tracas, mais enfin. Voilà. Vous vous évadez un petit peu. Comment ? Vous vous évadez. Oui. Voilà. Absolument. Absolument. On ne pense qu'à ça, c'est très très bien. Ça s'appelle de la mandala thérapie, hein ? Voilà. Oui, oui, oh non, c'est bien. C'est les petits moments de ma vie. Bon, ici, il y a 8 ans que je suis là déjà, alors on s'habitue, hein ? Voilà. J'ai eu du mal à m'habituer. Mais il faut bien, quand on n'a pas le choix. Je ne pouvais plus rester chez moi. Alors je suis venue chez moi, enfin je suis pas mal. Je suis pas mal, on est bien. Hein, Sylvie, on est bien ici. Oui, c'est vrai. Enfin, moi je me trouve bien. Moi je me trouve bien. Je n'ai pas à me plaindre. Au point de la cité, et j'habitais en face de chez une jeune fille qui était à peu près de mon âge. Oui, et bon, je sais pas comment. Ton frère était mon copain, mon collègue, si vous voulez, oui, où on sortait ensemble, on avait à peu près le même âge. Oui, mon collègue de jeunesse. Et bon, et puis, il y avait sa sœur qui, le dimanche matin, faisait la chambre de ses parents. Et en faisant la chambre de ses parents, elle m'envoyait un petit coucou, voyez-vous, elle me faisait un petit coucou de la main, elle me faisait un bisou, quoi. Voilà, mais c'est tout de bien méchant. Une autre fois, je l'avais vue à la fête du Pont de la Cité, et je l'avais invitée à danser, je me rappelle au bal, et il avait fallu que je demande
l'autorisation à son papa pour la faire danser. Bon, c'était tout à fait mignon, quoi. C'était le dimanche, oui, surtout le dimanche, que je la voyais hein, à la fenêtre, hein, et moi, chez moi, aussi, à une fenêtre. On s'envoyait des bisous, des machins comme ça. Mais rien de bien important, voyez-vous, rien de bien sensationnel. On n'avait pas l'occasion de se voir. De se voir de près même, hein, sauf quand j'allais chercher son frère. J'avais l'occasion de l'avoir dans le couloir, mais tout, rien de particulier. Ce n'était pas une fréquentation. C'était tout à fait gentil, voilà. Je ne peux pas faire. Voilà, moi, je ne vois rien de particulier. Je ne peux pas parler comme ça, sinon, bon, j'aurais pu penser à autre chose, je n'ai rien. Donc, c'était un petit coup de cœur envers cette jeune femme. C'était une jeune femme, bon, mais, comment dire, je ne sais pas, c'était tout à fait mignon, c'était rien de bien particulier, c'était rien d'appuyer, ce n'était rien de... Non, je ne vois rien de sensationnel là-dedans, moi. Je vois simplement un petit peu d'amitié parmi la jeunesse, de gaminerie, voyez-vous, c'est tout. Hein, de petits gamins. Hein. C'est pour ça, oui, parce que l'âge, je ne me rappelle pas exactement, mais ça m'étonne qu'elle est. J'avais bien 16 ans. Oui, parce que 16 ans, elle est 15 ans, peut-être 14. C'est possible qu'elle ait 14 ans. Je ne me rappelle pas bien. C'est vieux, hein. Alors, cette histoire, elle n'est pas terminée parce que se poursuit aujourd'hui à l'EHPAD de Razac. Donc, cette jeune fille à l'époque, vous l'avez retrouvée, c'est ça, dans cet établissement? Non, je l'ai trouvé en dehors de l'établissement. C'est le fait du hasard quoi, qui a fait les choses. Et que nous sommes presque dans la même maison, si vous voulez, dans la même maison de retraite. Non, c'est pas de retraite, si. Quoi. Si. Bon, à part ça, rien de particulier. Le sentiment n'a pas changé. Et donc vous êtes revu? On s'est revu, oui. On s'est revu, et puis bon, l'amitié est toujours la même, voyez-vous. Elle n'a pas changé. Mais elle est. C'est une amitié de jeunesse qui est restée, voyez-vous. Et ça n'a, notre rencontre, si vous voulez, n'a pas vieilli. Enfin, pour moi, du moins, elle n'a pas vieilli. Je me vois toujours jeune avec elle. Je me vois. Toujours galopin, et je ne trouve pas les termes maintenant. Voyez-vous, pour m'exprimer, je ne trouve pas les termes. C'est vrai. Donc ça vous a fait plaisir de la revoir? Ah, évidemment que ça fait plaisir. Voilà. Ah. On est contre un truc comme ça, c'est marrant, c'est on ne peut pas oublier ça de toute façon. Ça, c'est pas possible, on peut pas l'oublier. Hein, parce que c'est pas le premier amour, si vous voulez. Oui. C'est un des premiers. Hein, et c'est mignon. C'est, voilà, une amitié forte. Oui. C'est quelque chose de pur, monsieur. C'est quelque chose de pur, c'est pas le jour d'aujourd'hui. C'est pas l'amour d'aujourd'hui. Quand vous trouvez quelqu'un, à tout vous choisir, je vais dire un mot. Et vous ne pensez plus qu'à sauter la fille ou à la sauter. Ça n'avait rien à voir, voyez-vous. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc, au cours de mon existence, j'ai été nommé à travailler à la préfecture de Périgueux, pas en tant qu'employé de préfecture, mais
pour les besoins de la cause, l'Office central de répartition des produits industriels, dont j'étais un membre, qui m'occupait, m'avait désigné pour travailler à cet endroit-là. Et un jour, monsieur le préfet décide de réunir dans la grande salle du Conseil général les grands dirigeants de la Dordogne, de Périgueux, c'est-à-dire donc, monsieur le préfet de la Dordogne convoque l'ingénieur le directeur des ponts et chaussées, l'ingénieur des mines, le président de la chambre de commerce, le président de la chambre d'agriculture, tous les grands dirigeants d'organismes locaux. Au moment de débuter la réunion, il dit: messieurs, je vous ai convoqué. Étant donné les événements, il faut craindre peut-être une famine. Par exemple, les boulangers peuvent arrêter de faire du pain. Or, le pain est primordial pour la nourriture. C'est ne coûte pas trop cher. Et si nous n'avons pas de pain, comment allons-nous procéder pour y remédier? Alors, tout de suite, à l'unanimité, les gens disent: mais il y a la manufacture à Périgueux. La manufacture, c'est un local qui se trouve à la caserne où nous avons actuellement à l'entrée, lorsqu'on passe à la cité, quand on passe sur le pont du chemin de fer, on a la manufacture, c'est un bâtiment où les militaires préparaient le pain. Et à côté de ces bâtiments, il y avait des tas de bois formidables, très importants. Mais la question était de le ravitaillement et la distribution. Alors, le ravitaillement, on produit pas mal de céréales en Dordogne, et à Barnabé, il y a un minotier qui peut fournir la quantité qu'on a besoin de farine. Seulement, il n'est pas question de pétrir à la main maintenant. Et évidemment, il y a bien des moteurs. Seulement, il faudrait du carburant pour faire fonctionner ces moteurs. Donc, peut-être monsieur Chaverneau peut nous fournir le carburant, étant donné ses fonctions de distributeur de tickets d'essence. Effectivement, je me lève et je dis: oui, effectivement, je peux donner des tickets d'essence, mais c'est pas avec des tickets d'essence que vous allez faire tourner les moteurs. Moi, je pense qu'il y a autre chose, d'autres procédés. Monsieur le préfet peut très bien réquisitionner un tracteur agricole, et de préférence un tracteur agricole avec un gazon au charbon de bois. Et je vais donner la raison, parce que les boulangers font du pain, mais ils retirent, avant de mettre le pain à cuire, ils retirent les braises du four et les mettent dans un étouffoir, et ils vendent la braisette, le charbon de bois. Ils le vendent, donc les boulangers pourront produire leur propre carburant. Naturellement qu'un de ces ingénieurs, dont je ne me rappelle pas le nom, s'est levé en disant: monsieur le préfet, on a assez raconté de bêtises, il n'est pas question de mettre
un tracteur agricole dans un laboratoire. Mais je me relève, je dis, monsieur, je ne vous ai pas parlé de mettre un tracteur agricole dans un laboratoire. Et vous n'avez pas dû faire la guerre parce que vous n'avez pas beaucoup d'idées. Hein. Moi, le tracteur, je le mettrai dans la cour, il y a suffisamment de place, mais je choisirai un endroit qui soit facile d'accéder en faisant tout simplement un trou dans le mur. Avec un marteau en buret, je vous fais un tour dans le mur et vous passerez une courroie qui sera reliée au mécanisme intérieur. Et évidemment que ça a été enregistré et approuvé. On voulait remercier Christophe pour ce beau projet ainsi que la fabrique et la direction. Voilà, ce projet qui a permis de belles rencontres avec les résidents. Et puis, voilà, ça a permis de les valoriser, de mettre en lumière les résidents, leur savoir, leur expérience et aussi de transmettre leur façon de voir les choses, leur façon de vivre. Et puis, voilà, un grand merci. Donc pour ce beau projet, un grand merci aux résidents. Moi j'apprécie beaucoup. Ben Sylvie, moi je tenais à remercier l'ensemble de la maison de retraite, la direction notamment. Je voudrais remercier tous les résidents qui ont participé à ce petit film documentaire. Voilà un petit morceau de leur vie, des belles chansons. Et je voudrais te remercier vraiment de ce partage. Donc Sylvie, je n'ai plus qu'à te remercier énormément, voilà, à vous, mesdames et messieurs. Donc voilà, donc je tenais à vous faire un petit coucou dans cette vidéo, de participer quelques secondes, puisque moi je fais plutôt un métier de l'ombre. Et donc voilà, donc merci à vous et à très bientôt. Alors merci à vous. Merci à vous.